Top 7 Magazine politique ya Radio Top Congo FM oyo ezongelaka basango ya motuya ya poso mobimba elongo na bateur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Bokechu. Mikolo nyonso ya samedi na ngonga ya 20h15 pe dimanche na ngonga ya 18h. Pour na co-participer, benga na 089 37 35 852. Top 7 politique ya RDC na Bozindo. Bande kobalandi ya Radio Top Congo FM tokutani biso na bino kwa basango mingi penza magazine na politique Top 7 lokola boyebi ezali moko ya manaka ya Radio Top Congo FM moyo kozongela kana Bozindo nyoso ya moto etambusa biso poso mobimba bongo bande kobalandi lokola boyebi tokulobela mingi penza makambo matali discours ya chef de l'état oyo alobeki yango mingi penza devant Conseil de sécurité des Nations Unies, mingi penza na New York, na États-Unis, wa pepa et makamoui balé ou y retenir vraiment attention. Y a baimboka y a liboso a lobiété. Akotika la kate gouvernement congolais, et kotika la kaso ki mon côté ko négocier na ba bato o y a qualifié comme ba criminel y a M23. Parce que bango bako kite ko solola na gouvernement congolais et puis ami balé a rassuré que ba élection et ko salema effectivement conformément na calendrier électoral pe na respect à constitution na décembre 2023 et puis mon kambia kolo pe alobaki lisusu makambo mamatali mingi penza démocratie o ezali mingi penza na kati ya mboka na biso o kati ya makamatali mingi penza situation ya justice pe comme matali impunité na kati ya mboka na biso e bongo ya mibale tokolobela makambo mai matali mingi peza situation sociale lokola boyebi il y a de cela quelques mois depuis mars 2023 gouvernement ya sika ebimaki mokambi ya makambo itali économie makambo matali lo lengi nini ya kotala tout prix à biloko na marché mon mboka vital camere a pesa ki ba assurance hein pour na Italie amélioration ya condition ya économie mboka na biso lelo yo tozali wapi et puis to ko continuer puis ko lobela ka matane mingi penza élection lokola boyebi kino sika wa sini zali ko continuer na processus électoral alors que ba parti prenante mosusu bazalité ko pesa confiance ou pe crédibilité na processus électoral o ezali ko salema mikolo o na kati ya mboka na biso pe po ya kosu kisa unimation ya ba corps ya ba victime ya carnage oui salema ki le 30 août 2023 na ville ya Goma na province ya Nord Kivu na boye bande ko balanzi ezali esengo pona ngai pe pona bino pona mbala liboso na yamba na plateau ya magazine de politique Top 7 mwana mboka Billy Kambale azali secrétaire général ya UNC pe président AI il y a UNC topé président ad intérim, il y a UNC le collaboyebi Vital Camille Kolazali ministre vice-premier ministre ministre économie a quitté ko sangisa poste politique na fonctionne aussi un gouvernement et puis azali sous président et regroupement AA UNC où ezali l'an de regroupement où ezali ko participer na processus électoral en cours mon mboka Vital pardon Billy Kambale na pe si mboté mboté maman journaliste. Lelo tokolobela actualité mingi mingi mekasi tokolobela pe makambo mai matali mingi peza Vital Kamerhe. Lelo yo est-ce que rêve et a ndeko Vital Kamerhe ya kokoma président de la République ezali lisusu d'actualité ou bien ezali expiré? Vital Kamerhe azalaka na rêve te ya kozala président de la République. Tope ambition. Voilà. Merci beaucoup maman. Merci. Vital Kamerhe azana ambition. Yakozala président de la République. Péalo Bakango Mingi, ezali obsession te. Ezate ke po soka komi président te Congo il faut koufate. Vital Kamerhe lobaka ke ye azande na ambition yakokoma président. Mais na isika nyoso oyo esengeli asa elamboka, il est prêt à travailler. Puisque soko sali ambition komi obsession au salaba dega yango monaka bat basaka ba coup d'état yango monaka batu batinga makana pouvoir basali ba 32 ans parce que justement eux ils pensent que si tu n'es pas président donc tu ne peux être autre chose. Vital Kamerhe azakaka mosali ya ba congolais point barre.
Donc, ambition d'ailleurs, vous allez présenter la République un jour. Donc, Ezali Kaka. Nzambe Mutako décidé. Azali, chef monene, il y a parti. Parti Nabiso, Ezali, parti aux Anaba ambition. Pe, Tolobi, Toti Kalikamolika, Monatango Nayango. Ça ne sert à rien d'être pressé au risque de se casser les dents. Est-ce que procès sans jour, ils allaient être une tache d'huile, bon huile, donc au colombanet, huile d'olive, c'était parce qu'ils ont vraiment pété, net ma foute a vraiment un bilan. Donc procès à 100 jours, ils allaient tacheter où ils allaient où est babysi les lots carrière politique qui a Vital Kamer, parce que les lots une grande partie à bas de ceux qui basent au moins à Vital Kamer et bah mon ami qui procès sans jour. Non, pas du tout. Moi, je crois que d'ailleurs, procès wana pour Nabiso Ezalaki Malamu, puisque pour la première fois, on a vu un homme d'État aller devant la justice et il s'est défendu devant les caméras du monde. Ezali, plutôt, au contraire, Biso tout le monde a un côté positif, nango, parce que les gens ont eu le temps de découvrir aussi Vital Kamer, puisque Bamisou, Bando, Yokega, la télévision, Bando, Yokega, mais ils ont eu le temps de voir un homme affronter la justice avec des pièces, ça démontra qu'il innocence naïe. Paix et belé, nous avons eu la solidarité de tous les Congos dans le combat de Ménati. Vous assure que les Congolais va reconnaître en Vital Kamer et son innocence au lieu de la justice. Depuis les jours qu'on avait arrêté Vital Kamer, Nanengazala qui libérait, le monde était mobilisé. Les Congolais d'ici et d'ailleurs étaient mobilisés pour son... Yogan ici, ce qui Vital Kamer est vraiment total à la mission. S'il n'y avait pas une grande mobilisation, vous pensez qu'on en serait là où on est? C'est parce que ça aussi, ça a réveillé les juges pour voir la mobilisation de la population, la mobilisation du monde entier pour un cas qui a été pratiquement un cas qui... Y a c'est tout moment. Est-ce que c'était un complot? Je ne dirais pas un complot, mais une erreur. De la part de la justice. Exact, erreur. Et la justice avait corrigé cette erreur. Non, c'est la erreur, Wana. Et elle, c'est Salima qui n'a. C'est la raison pour laquelle justice est la cana, bas degré de juridiction différent. Puisque juge a libossé à cause de l'erreur, Yami balé peut à cause de l'erreur, mais Yami Sato et Asuka, jamais à cause de l'erreur. Voilà pourquoi, erreur et Salima qui, Yalibosso, et qui corrigé par la même justice, P. Vital Kamer et Lelo, il est libre de ses mouvements. Vous soutenez Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat? Absolument. Pour Nanini. D'abord, tu as soutenu le président Félix parce que Ezali n'a pas toujours un choix à cœur. Oui, bien sûr, vous avez déjà un long passé avec quelqu'un. Bon, on va passer ensemble. À un certain moment, vous savez vous comprendre. Bon, il va quitter peut-être campagne à 2018. Est-ce que le président Félix, le président Kamere, basoua quand est régulier assez à toi, toi qui coûte un avion T, tant que tu fais campagne. Tout ça qui avion une semaine après, tout de suite au bandit déjà va tourner dans les conditions très difficiles. Quand vous avez vécu des moments comme ça ensemble et ça vous a amené à la victoire, il y a des choses sur lesquelles facilement vous pouvez vous mettre d'accord sans dépression. Donc, vous vous soutenir, non pas parce que Azo méritait, parce qu'il a travaillé pour le bien de la population, mais parce que vous avez souffert ensemble. D'abord, j'ai dit, choix est à deux niveaux. Niveau à cœur, peine à niveau à raison. Niveau à cœur pour Nanini. Parce que tu passes un moment difficile ensemble. Ce pouvoir ici, en fait, nous l'avons acquis après un moment, il y a dépassement de soi. On s'est battu dans les conditions difficiles, rejeté par tout le monde. Nous sommes restés qu'à deux, Batubabo Sanaga. Les autres étaient constitués en grosses machines avec beaucoup de moyens. Nous étions restés qu'à deux et pauvres. Mais nous avions la foi dans ce que nous faisions et Félix Tshisekedi a gagné les élections. Voilà pourquoi, à un moment donné, ça nous revient. Et nous disons que ce genre de choses, on ne les brise pas comme ça. Deuxième chose, choix et raison. Pourquoi? Parce que nous estimons que Félix Tshisekedi, d'abord en tant que président de la République, a en avance. Puisque l'élo, ce qui totinga mika katobi bisoka kakamere fois à la présidence, ça veut dire que azo banda à zéro. Pendant que président Félix a déjà un avantage du fait qu'il soit chef de l'État. Ça c'est un deux par rapport au choix de la raison. Il a un bilan à défendre. Peut-être pas ce que les gens auraient voulu, mais
en tout cas en termes de volonté et d'impulsion sur les changements na Katiamboka à Salima Kambo et belé malheureusement non vulgarisé mais moi non je me suis donné qui devrait le vulgariser population bisikanyo soit moni bisikanyo soit alinde à komona isalité que baye bisayeta la sali place boy non. Donc bino moko bozala bo ba preuve papa mais il y a rose ba mon non vulgarisé maman Mireille oui bien ça loko mususu ko sale mesika mususu ezan intérêt na yo meyo yebiangote. Je te donne un exemple. Ça fait plus d'un siècle que bisoto négocia ka sorti sur l'océan. En fait, Congo tant basé en 1985, tout ça là qui n'a sorti sur l'océan té. Mais après ba négociation na ba portugais ba ko pesa biso 40 km na sorti océan. Objectif ezakinini. Fallait tout ça la port à nos profondes places wana. 100 ans après Tshisekedi Mutwaye ko lancer ba travaux pe lelo bah, travaux en cours. Je crois que d'ici 2025, tu auras déjà premier que il y a plus de 600 mètres na Katia océan Atlantique. Donc bilan bino, bozo partager bilan na bino na Félix Tshisekedi. Bien sûr. Les a satisfaisant ou bien non, les a bilan moko qui pose les jalons. Voilà pourquoi nous parlons de la satisfaction. Okay. C'est-à-dire les jalons sont posés. Soko talelo ki ça ça maman Mireille. Soko maman Myriam, pardon. Myriam plutôt, Myriam Bokechu. Biso te baka na kisasa ke ba travaux sa makana na gombe. Mais lelo, maman Mireille. OK otali elenge sande ba sali yango. Otali ndenge aveni ki kwite oye uti kote ya funa kuna na ba bumbu tie komi na fikinde ba sali yango. Otali ndenge ba osala njili brasserie aveni oye zo kende tie oye ko bima kote ya Kasangulu. Otali kindele ndenge ba sali yango. Otali kulumba ndenge ba sali yango. Otali bobite to pesa e deuxième mandat. Est-ce que bi ke koto yo côté ya ba Delvo côté ba pompage côté wana mai na ki ça c'est ça qui problème. Il a fallu que Fatia comme on a pouvoir pour que ba pesa ba tout mai. Mais Kinshasa c'est ça qu'on était. Je parle du Congo maintenant. Est-ce que bi ke lelo tango tozolo ba awa dans les 145 territoires misala ezo sale malaka dra programme ya 145 territoires. Plus de 1200 écoles sont en construction, plus de 700 centres de santé en construction, plus de 400 centrales solaires en construction avec le programme il y a Anser. Oui, bien que Bautico réformer secteur il y a électricité. Les lots même yo boketu ndengo zawana soko za na mbongo olingi ko sala centrale solaire na yo quelque part pe oko tsa mbongo e ko salema avec ba réforme au Félix Assali. Tout ça, okay. Programme y a Anser, na are, où ils ont permettre que même bas privé, les lots, makambo ya courant, ils a sous exclusivité y a SNELT. Ok, na goma, okuta société socode, okuta société. Ok, na nyonso na bofani bobite, topé ça aide des mandats. La population. Et vous a rassuré qu'il y a besoin d'engo. Mais bien sûr, parce qu'on va se battre pour qu'il y ait un deuxième mandat. C'est quoi, bino de besoin, ce qui vraiment vital, Kamere Abi m'a représenté à Pirja Kapen na 20 ans. Bon, on va soutenir Félix Tshisekedi. Pour un deuxième mandat. Ceux qui allons à prison. Ceux qui Vital Kamerhe a tiqué la rana prison 20 ans et bakati la kaye. Bon, gars, vous pouvez faire des séquelles des chances à deuxième mandat. Pourquoi vous parlez du passé qui n'existait plus? Natuni Mutuna. Non, Mutuna nous a son valeur. Mais en valeur, t'es métozo si métozo l'obasso parce que le jugement a été rendu. Il y en a mais ceux qui vraiment zara qui Vital Kamerhe a tiqué la 20 ans en prison. Bon, gars, vous pouvez faire des séquelles des chances à cause de deuxième mandat. C'est impossible que a tiqué la 20 ans en prison puisqu'il n'avait rien fait, c'était innocent. Si. Ça a 20 ans la prison pour Nanine. Donc ça, ce n'est même pas envisageable. Et je le disais tout le temps. J'ai dit, seuls les naïfs peuvent croire que Kamerhe dans Namboka où il y a quoi que ça a 20 ans, quelqu'un qui n'a rien fait. Voilà. Donc je ne pense pas que question là, je peux répondre. Ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien pour Nabino et à la Vital Kamerhe avec la prison et à la Nengabimi. Bon, il y a un peu de soutien Nabino et Nandiko Félix. Cheminement normal, c'est que Vital Kamerhe avec la prison, mais nous avions des membres au gouvernement. Le président Tshisekedi n'avait rien à voir dans ce qui nous est arrivé. Okay. Ce qui nous est arrivé, nous savons d'où c'était venu. Et d'ailleurs, les propriétaires du crime eux-mêmes avaient revendiqué. Bah, ça a même bah, point de presse, Koloba ke bisonde tokangisi fulani, parce que bisonde. Tout ça, nous connaissons, mais on ne va pas revenir là-dessus. Je crois que l'essentiel dans la vie, ce qui est l'eau que comme Elio,
tala les bons côtés des choses et avancer. Lelo avec foi au Koloba et Vital Kamere azala qui innocent du début à la fin na dossier wana ya son jeu pour clore les dossiers sur parce que je connais l'homme madame Vital Kamere, c'est l'une des rares personnes, j'ai dit bien personne sur cette terre qui n'a aucune relation avec l'argent. Kamer au Kokutaye, il a 100 dollars, au lieu de poser problème à 100 dollars, peut appeler sur 100 dollars à Tikali vide. Alors, moi, quand on me dit que Kamer a détourné l'argent, c'est invraisemblable. C'est quoi pour nous, Mbongo, ne pouvons pas la wapi? Mbongo, Jamal Moutouazoua Mbongo, peut assumer Kayango. Pourquoi vous n'habitez pas Congolais, tout, bah, quelle habitation de Nénini? Jamal Azouing, Aloba Ngam, Nana Mbongo. Ce bourg Mbongo, Nga, Nazanango. Au basé que le love confiance ils a ma casse entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Ils a ma casse. Mais ceux qui ont ma casse pour Aninte Azongi ça qui était comme directeur à cabine ou bien après ça qui est prématurité. Mais c'est un problème de choix. Est-ce que Vital Kamerhe lui-même voulait être directeur encore? T'es yoko yobi ça l'abîme. Parce que vous allez président AI il y a UNC et puis vous allez secrétaire général il y a UNC. Pour Nanini Vital Kamerhe après acquittement naie Azongi là qui fonctionne a été comme directeur à cabinet ou bien quoi poste de premier ministre. Entre si réellement confiance est allée parfaite entre y et la présidente. Maman Mireille entre vice premier ministre et ministre de l'économie la directeur. Nini ndezali poste penda ya malonga. Oui, ndoni na mutuna na ngai te na lobby. Est-ce que pour Nanini na zongi, est-ce que parce que ba proposé ou bien parce qu'a boyango? Non, il ne pouvait pas revenir dire cab, non. Pour Nanini pour na procès à 100 jours et tachaki makasi. Non, ce n'est pas ça, mais simplement à un certain moment, il y a des choses que on ne peut plus faire dans la vie. OK. Il a déjà servi comme dire cab, c'est bon. Maintenant là, c'est un nouvel horizon et ça ba projet Moussus. En plus, mon conseil Mokande a été attente ni Nazo Zela, ma collaborateur. D'accord. C'est lui qui propose que Vital Kamerhe, pour l'instant, je veux que au Sunganga et en matière de économie. Péatier. Oui, ma promesse, tout le bilan en tant que ministre de l'économie, Vital Kamerhe a commis ministre et à l'économie après acquittement. Ça fait bientôt 6 mois qu'il est vice-ministre, ministre de l'économie. Pour Nayo, bilan est satisfaisant ou pas? Ce sont les opérateurs du secteur qu'il faut demander. L'économie est mon canon aux accommodations. C'est justement ce que Makambo Oyo Bino vous comprenez que Yangoana. Et ici, je voudrais profiter pour que les gens arrêtent de manipuler l'opinion. Il y a même des gens qui ont dit que Kamerhe avait dit que Toi ou Kitatine à 1000 francs. Tu n'as jamais dit ça, là je peux dire. Alors, voilà. Qui est Nazana Mokili Bapaya, n'a eu qui était beau à Koloba Toi et Kita. Mais tu es qui t'a boité, il faut bien surtout travailler ensemble. Voilà. Pour que ça a été, ma condition et ça a été, toi qui t'a et que ça a été. Mais depuis Wana. Mais bon, informat qu'a peuplé, puisqu'il y a même des gens qui sont convaincus que Lelo Kamerhe a échoué parce que toi est comme une amie. Mais ça a échoué, tu es à l'obaki qui est, ma condition. Voilà. Bisoyon Soto s'est sacrifié. Maintenant. Mais on dirait que la population là s'est sacrifiée, mais ma beauté. Voici la situation. Ok. Vital Kamerhe a coûté l'État et la Nyongaba pétrolier à 500 millions de dollars. La première des choses, c'est qu'il fallait trouver un mécanisme pour payer les pétroliers, puisque ce qui a intervenu qui rapidement, c'est Tongato Zouassoussou, pris à la pompe et Mati, Pébatbani, Kosalaba, Milongo, Naba Station. Carence, depuis que Vital Kamerhe et à la tête du ministère de l'économie. Bon, nous allons battre un sali, hein, 6 mois après. C'est ce que j'ai dit. Ok. Puisque l'obé Bilé Zanini l'a expliqué. D'accord. Depuis que Kamerhe est mi vice-premier ministre, ministre de l'économie, non seulement carburant et matité, mais aussi pénurie et monanité. Pourquoi? Parce que lui, en tant que technicien à la matière, je voudrais expliquer aux Congolais quand même que Vital Kamerhe était un ancien du ministère de l'économie. Il était dans les cabinets des anciens ministres à l'époque à Mobutu, dans le ministère de l'économie. Donc, il sait très bien que c'est le ministère de l'économie qui gère les stocks stratégiques. Il y a carburant. Nambo Kanabiso, paye Moutassara la structure des prix au niveau du ministère de l'économie. Donc, depuis que Kamerhe est là, non seulement carburant matité, mais pénurie exacte. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est un miracle. C'est un travail. En dehors, il y a carburant. Travail, wana. D'abord, c'est qu'il fallait mettre en confiance les pétroliers producteurs. Donc, Oyo, dans un secteur, il y a
bah produits pétroliers. Deux, il fallait qu'on trouve un mécanisme pour foutre à bango, mbongo na bango, ce qui est en train d'être fait et qui a déjà été fait. Trois, ça, et tout ça, ça se passe sans bouger les caisses de l'État, parce qu'il fallait trouver de l'imagination pour trouver l'argent à payer aux pétroliers. Et là, comme sous Vital Kamerhe Sali, Yamutuya, c'est que quand tu vois la tension monétaire au Ezala qui tangou avant Azala nommé, les prix dollars et bané comme tato, on avoisinait déjà les 27 na marché. Il y avait surchauffe sur le marché. Okay. Mais tangou ya komi, l'effort à fournir d'abord était de garder la stabilité. Aujourd'hui, nous oscillons entre 24 et 25. Mais là n'est pas le problème. Lui, il a dit qu'il faut aller au-delà. Il faut produire. Ce qui fait que déjà au niveau du ministère de l'économie à la commission ECOFIN, on a adopté le plan de relance agricole, le plan de relance de la pêche et élevage. Bazo travaillait pour que l'élo na mboka, parce que tant que toko sa la production te elo komo kwa malonga pe eko sa le maté. Donc dollar eko kita l'élo na lobité tant que production. Jamais. Ça, ok. C'est... En fait, ce qui n'a qu'au lobana, na linga la pena ya quartier, bah quoi l'on le babane eko jere mboka ouye. C'est-à-dire, bah spécialiste eko te kamou pepe. On nous maintenait dans une sorte de perfusion. Ça veut dire qu'on a un hôpital, on va maintenir une perfusion, mais en réalité, on va bouger. Nous voulons maintenant créer une condition, il y a une économie dynamique. C'est comme ça que je voudrais même féliciter les Konabiso Julien Palou, Moussala, na niveau ministère et à l'industrie, avec les zones économiques spéciales. Les lois, c'est que les carreaux vont produire en haut. Ah ouais. Oui, c'est que économique. Tant que Vital Kamerhe et Azali. Premier ministre, parce qu'ils sont presque fait mandat. Et on avait ce que tu as espéré, parce que aux opposants, nous avons un problème, il y a production, pour qu'aujourd'hui, tu as constaté baisse, il y a un produit sur le marché, notamment aussi à dollars. Absolument. Non. Awa, tu as dit la fin de l'année, il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour qu'il n'y ait pas surchauffe des prix sur le marché. Mais sur place aussi, dollar et qui t'accaquaté, on a lobby boué. Parce que la situation n'est pas encore maîtrisée. Essentiel, les alakanini, d'abord, il faut maîtriser la situation pour que Bébilo koué matai souste. Okay. Depuis que Kamerhe est là, au côté là bien, même Bapri à Bébilo qu'on a wenze. Et Mathis Souté. On t'assure. Pourquoi? Maîtrise d'abord, il y a carburant. On t'assure que Bilo que Mathis sur le marché. Et Mathis Souté, maman. Kende na Wenze, au vérifier. Mais n'a pas maman. Oui, maman. Somme à Bilo, on a Wenze. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, j'assure que Bilo, on a Wenze. Et l'eau qu'on y n'est changé. Parce qu'on veut qu'on s'en maman. Exemple. N'azopé son exemple. Boîte à Milik. Oui. Il y a 1600 grammes. Na Mars, c'est ça qui n'a pas Mars, n'a pas pris. Oui, n'a pas pris. On a 53 000 francs. Oui. Si qu'on en somme, on a 60 000 francs. Non. Voilà pourquoi nous venons d'envoyer les inspecteurs économiques. L'inspecteur économique, Bautiko Kita, partout pour aller vérifier la véracité des prix que les gens. Puisqu'il ne faudrait pas aussi non plus, Bobanda, qu'on incrimine le gouvernement sur les comportements antipatriotiques de certaines personnes au Yobakenda kana marché pour na kunyoko la population. Puisque calcul, il y a intérêt sur les prix. Ezali et lokomo qu'on ne peut pas tricher avec. La loi les définit. Donc, bah, inspecteur, Bazo Kende, ouais, on a passé, pardon, dit... on a passé prix à Mili qui est belle hollandaise. On a habité, Marc et Moussous. Mais maintenant, ce que tu ne veux pas me dire, c'est que prix en haut, Ezala qui, puisque lokomo soupe boye baga ko vérifier, c'est par rapport à l'évolution. En 2004, en 2002, est-ce que tu as dit que coca à 100 francs? Tu peux m'expliquer par quelle magie coca est longue à 100 francs, les lots comment on a 2500 francs? Puisque 2002, c'est pas Tshisekedi qui était président. Non, il y a un peu de sacrifices pour que la situation puisse s'améliorer. Si quand on sacrifice, on vous assure que bisona bango tozo sala ngo bien bisona bato tozo sala sacrifice bango te. Maman, je t'ai dit, il y a liboso d'abord, il fallait qu'on régule le problème il y a carburant. Oui, mais pour y a carburant pourquoi? Parce que carburant ça a un impact. Et ça a un impact, oui. Il y a on a lobby boy. Est-ce qu'on peut notamment sur les marchés. Deux, il faut les lots caméra et azot déplorer une taxation
parafiscalité toxique. La taxe est belée contre les opérateurs économiques à tel point que c'est le petit peuple qui paye toujours. Les lots, Moussala Zosala, et sa réforme fiscale, on a diminué tension sur le marché. Parce que Yalobi, nous sommes là pour répondre à la promesse du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Oui. Est-ce que c'est fait? C'est fait. Moi, je voudrais. Mais je t'ai parlé. Tous ceux qui ne m'allaient, mais c'est parce que Oulingi vous a tellement pressé que. J'ai dit ceci, encore que je vais contre-vérifier ce que tu vas me dire ici, ce que tu es en train de me dire par rapport au prix des biens, il y a Belle Hollandaise, je vais vérifier, puisque vous dites que c'est parti de 53 000 francs à 60 000 francs, donc augmentation à 7 000 francs. Oui. C'est quand même beaucoup, mais je vais vérifier. Ok, attendez, vérifier pour qu'on sache la véracité des prix, puisque Bino Pefobo et Dakabiso. Au lieu de nous alerter que non, et l'eau qu'on boye mati, tu comprendrais-tu quelle est la différence? Si bino bosom barawa pikasi, pour boye bate ke mati. Mais moi, je t'ai dit que. Moi, personnellement, je t'ai dit que j'ai constaté que depuis Kamere là, il y a eu une légère stabilité à bas prix sur les marchés. Mais bestie. J'ai parlé de la stabilité des prix. Mais ce qu'on vise d'abord, c'est que. Surchauffe et ça qui m'a cassé le marché. Puisque, en même temps, vous avez que nous sommes, le pays est victime, comme d'autres pays dans le monde, des crises qui viennent de se succéder. D'abord, Covid. Vous avez que mon Mobimba et ça qui paralysé. Nous étions jamais un régime qui a précédé Félix Tshisekedi n'a connu la crise comme ce que Félix Tshisekedi vient de connaître. Un, Covid. Mboka Mobimba, tout ça qui est isolé du reste du monde. Peba Mboka Moussoussou, il n'y a pas que le Congo. Ça, c'est la première crise que Félix Tshisekedi a dû affronter. Deuxième crise, la guerre en Ukraine. Obi ke batubaye bakate, ce qui signifie une guerre en Ukraine. Premier pays producteur, bah, parmi les pays qui produisent le pétrole dans le monde. Ukraine na Russie. Bazo Bunda. Aujourd'hui, est-ce que le litre à carburant en France, l'ilo, et ça l'ikoro par rapport à Congo? Eh bien, oui, bien, maman. Est-ce que Bissotosan économie a ma casse qu'il la France? Pour répondre à l'une des exigences, il y a président de la République qui a quoi améliorer la situation sociale. Est-ce que pour nous, depuis mars, la situation sociale à Congolais est bonne ou pas? Situation sociale à Congolais est bonne ou pas? La baguette magique. Ce qu'il a dit, mettons en place des politiques pour permettre que le peuple n'abisso azala alléger la souffrance. On va mettre ça quand ma politique mais c'est maintenant que c'est en train d'être mis en mais place. Mais 6 mois après, c'est impossible que dans 6 mois, les réformes puissent se faire sentir. C'est impossible. Ça, ce serait du mensonge, madame. Mais il avait... Je t'ai dit qu'on vient de mettre en place le plan de relance agricole. Quoi les alliés réformes? Bauti tient en place plan pour que cette fois-ci... Bah pétrolier, bah souffre qu'il soute, que bah ça qu'à que na bah ministère, bah budget finance pour être payé. Le mécanisme est déjà bancaire, bancarisé. Tout est déjà fait pour que cette fois-ci on ne connaisse plus la pénurie du carburant que bah pétrolier bah zala à l'aise na domaine na bango. Kauti koye bisayo. D'accord. Donc tous les acteurs sont sur terrain pour faire les calculs réels. Il y a bah structure, il y a bah prix. Peko ta la ngenini ko soulager. Misère, il y a des Congolais. Voilà, le plan de pêche est déjà adopté au niveau du gouvernement. Bah, décret Moussous, notamment les fonds pour la régulation économique et Outiko Salema. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'être faites, mais simplement, les réformes ne peuvent pas produire en moins de 3-4 mois. D'accord. Non, pas du tout. Il faut causer là-bas. Réformateur, il y a toujours incompris. Et c'est ce qui avait été dit par son prédécesseur Nicolas Kazadi. À l'Obaki, les réformateurs ont toujours été mal compris. D'ailleurs, Bazalaka toujours la difficulté quand ils mettent en place des réformes, puisque ça bouscule toujours l'ordre qui était établi. Parlons de l'UNC. Trop de départs dans l'UNC. Qu'est-ce qui se passe? Maman, il y a eu combien de départs? Puisque Olobi trop. Trop de départs, quasi. Trop de départs. Oui, puisque Olobi trop, donc, aux arbres à statistiques. Les questions à statistiques, mais tu as constaté qu'une partie, il y a
y a comment de petit yabatu ya UNC ba bazali ko longwa bazali ko kende mama oyebi baza combien tolobi de kombindule azali suna bino ok to emi boja zana bino mais apparemment il y a rivalité entre ye na président Vital Kamerhe parce que tout le monde bazou ça la action la même ville on apprend aussi que contribution ne va pas ça na partie il semblerait dans le bien au conditionnel à Pessarate. Et puis Jean Bruno Mayo il est avec vous ou il n'est pas avec vous Moussousou Ndekoto Tchoumani Azanabino donc on dirait bah frustration ils allaient bah zoko accusé yo aux autres bah décision moko parfois aux autres consulter bah tout est parce que ça n'a plus il y a Vital Kamerhe il y a onze salons monté Manuel Lingi bah oui puis que temps pour poser la question là il y a départ na UNC. Et puis, comme ça, et c'est que ça, on a dit que c'est que ça. Maman, avant 2018, je peux dire. Tu peux suspendre un déco, je crois, au Kata. J'ai, avant 2018. Trop de bourdes. Maman, avant 2018, architecture Mubimba, Nyoso ya UNC et Longwaka. Ok. Jean-Bertrand Iwanga, secrétaire général. Claude Loubaya, secrétaire général adjoint. Odette Babandoa, secrétaire général adjointe. Alain Bayaka Kassou, président du Conseil national. Bitakwira, président du groupe parlementaire. Sambo Kolombe, l'un des membres influents autour du président. Kangoudia, proche du président. Vous avez ministre à budget, oui. Ministre à budget. Mami Kankou, présidente à Bamama. Trancier Boma, président à Bajène. Et plus de 200 cadres du parti avaient démissionné du parti. Il y a une secoufa. Est-ce que ça a empêché... Attends, est-ce que ça a empêché à l'UNC d'arriver au pouvoir? Au contraire, ça nous a permis de nous régénérer. Deux, les personnes dont l'lobby Bakéi. Mais l'entrée dans un parti politique est libre, la sortie est aussi libre. Parce que les gens, d'abord, avant de croire dans l'idéologie de l'UNC, ils ont suivi un homme qui avait consenti des sacrifices. Vital Kamerhe a mené un combat dans ce pays. Les gens ont adhéré à cette idée. On se rappelle encore de ce qui s'est passé en 2009, quand il avait fait le bras de fer, quand il avait refusé l'entrée des troupes rwandaises, en disant que ça, c'est une erreur monumentale. Nous payons ça jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il avait dénoncé à l'époque. Nous avons cru en cette idée-là, cette idée qu'un homme peut résister étant membre d'une famille politique, mais il résiste jusqu'à accepter de démissionner de son poste pour ses convictions. Puisqu'il suffisait que Kamerhe, en 2009, fasse comme ce que Etumba avait fait. Chef d'état-major, il avait déclaré la même chose que Kamerhe. Mais le soir, il est passé à la RTNC, il a dit non. Donc, Bazo qui est parce que le Biba qui est Nabango, exacté parce que je suis Amabé. Maman, Naminito, dans tous les partis politiques, il y a des départs. Parce que c'est le positionnement et le repositionnement en prévision des élections. Okay. Ça, c'est des 1. 2. On ne peut pas me juger, moi, d'être à la base des départs des gens. Pas du tout. Et les Lubaya, les Wanga et tous les autres, c'est toujours moi. Non. Et toujours le gestion à Yosika. Gestion d'Angaï. Madame, moi, quand je suis arrivé à la tête de l'UNC, il n'y avait que 25 bureaux payés. Sous ma gestion, il y en a 88 à travers la République. Il a besoin de favoriser M. Soussou. C'est là, Toluba. N'a tu vois qu'à 25 bureaux payés, nous sommes aujourd'hui à 88. J'ai trouvé 2 500 000 francs congolais dans la caisse du parti. Sous ma gestion, le parti s'est acheté un siège à plus de 500 000 dollars. J'ai trouvé un parti complètement en don, c'est-à-dire abandonné. J'ai renvoyé les équipes sur terrain, j'ai réorganisé le parti, j'ai fait la restructuration des fautes en comble du parti. Aujourd'hui, tous les organes et les structures fonctionnent normalement. J'ai réformé l'UNC, madame. Aujourd'hui,
nous partons aux élections avec deux listes électorales au niveau législatif. Premier exploit, avec plus de 800 candidats. Donc, bon, bah, c'est parce qu'il y a positionnement. Madame. Et ça, c'est parce que vous avez dirigé ma bébé. Vous parlez de 7 personnes, 8 personnes qui sont parties. Mm-hmm. Mais nous avons 42 députés nationaux en fonction qui nous ont rejoints. OK. Nous avons 5 sénateurs qui nous ont rejoints. Donc, départ, Nabango, ils ont. Nous avons même un ministre en fonction qui nous a rejoints. Que je salue en donc, départ, Nabango, ils ont non-événement. Si je peux dire ça, non-événement. Non, on ne peut pas dire que c'est un non-événement, parce que moi, je suis un responsable. On a toujours besoin du plus petit que soit. Okay. L'objectif, si pour nous, yo, j'aurais voulu qu'il soit avec nous. Mais je me dis qu'ils ont choisi de partir. Le dernier en date, c'est Kyove. Il est venu me voir au bureau avant de partir. Au moins, lui, il a été franc avec moi. Que non, moi et toi, sur une même liste à Lubero. Ça ne tiendra pas parce qu'il va falloir mais Kambale, neutraliser l'autre. Mais si vous kende, comme un allié direct, il y a chef de l'État. Il y a un allié, on dirait, qui est là. Parce que il y a un allié qui est à Longwe, à comme qu'on traite directement le chef de l'État. Il y a un allié pour le non, c'est un choix. Il est toujours avec nous. En réalité, il ne nous fouille pas. Il fouille l'UNC. Il nous retrouve là. Où? Puisque c'est nous qui sommes à la tête de la plateforme du président de la République. Une chose est sûre, lui ne sera pas. Mais Yomoko Ndekobili Kambale, Yomoko secrétaire général, Yomoko président AE, Yomoko président et regroupement politique AAUNC. Donc, ma compétence est atteinte à UNC pour. Non, c'est ça. Ce qui vous explique cela, ce sont des gens de mauvaise foi. Tous ces titres-là, c'est l'effet simplement que je sois secrétaire général. Tout simple. D'ailleurs, je n'aime pas trop les titres là des présidents AI parce que j'estime que non, ça ne colle pas avec moi. Moi, je suis secrétaire général, point barre. Dans les faits peut-être où le droit, ça s'applique, tout ça, mais je préfère qu'on m'appelle secrétaire général. Maman, vous avez dit qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Okay. Tous ces titres-là, ce sont les corollaires du fait que je sois secrétaire général. Ah, bon, Zimite, Félix Tshisekedi est candidat à la Bina en 2023. Vous signez un accord, mon côté, ou bien vous êtes non, on n'en a pas besoin. L'UNC, ce n'est pas un parti. Donc, ils ont une entente verbale. L'UNC, ils ont parti. C'est une attente verbale. Il n'y a pas d'attente ou quoi que ce soit. Bon, l'UNC, ce n'est pas un parti. Parce que pour vous soutenir candidature à Félix Tshisekedi en 2018, il y a eu un accord à Nairobi. C'était ça. Et Koufa, non? Mais les accords ne valent que pour ceux qui confirmer ce accord à Nairobi et Koufa. Akorwana et Koufa, ils ont été inopérants même avant même qu'on entre au pouvoir. Parce que quand on termine les élections, nous n'avons pas la majorité au Parlement. Il ne fallait pas rêver. Okay. Par quel mécanisme on pouvait avoir la primature pour appliquer l'accord Nairobi? Et ça a raté que vous soutenez un mandat, soutenir. Cet accord a été inopérant dès ses débuts. Ça veut dire tout là c'est sa première partie. Il n'y avait pas deux. Félix Tshisekedi était de bonne foi. Nous-mêmes, nous étions de bonne foi. Mais il s'est fait que quand on arrive maintenant à la magistrature suprême, nous nous rendons compte que nous n'avons pas la majorité. Il ne fallait pas que Ndeko Kamer et Félix a soutenir Kamer dans le deuxième mandat. Il ne fallait pas. Mais nous-mêmes, à l'UNC, nous avons évalué, nous avons vu que par rapport à Félix Tshisekedi, Vital Kamer n'avait pas suffisamment de chances. Non, vous savez que maman, Oya Botimwana, nous savons la peine que nous avons eue pour faire arriver le président Fatshi au pouvoir. Nous ne pouvons pas être de ceux qui participent à la mise à mort d'un pouvoir pour lequel nous avons... Vous avez déjà sali de ces 100 jours et Tachabino, vous avez discuté... Pendant l'élection, il y a quelqu'un qui est accusé de détournement de 200 millions de dollars. Il est même devant les cours des tribunaux. Est-ce qu'il n'a pas postulé? Nani? Matata. A postulé-t-il? Mokilekoui?
parce que on a zo bo bangi peut-être ba te bozo banga peut-être ba ba hurler sur bino ba ono la bino pendant campagne électorale que bino boko ki te parce que procès sans jour to mona clarté. Je te rappelle que Kamera zaki na prison biso to ki na balabala aussi au moins que babamba biso mabanga tant to zo défendre Kamera na balabala. Je te pose la question, te babamba bino te allô donc. Ça veut dire que Bokoka peut faire la campagne sans pour autant être inquiété. Nous avons fait la tournée à Man ici. Vous avez vu le succès de la tournée. Mais résultat, Isaté, Aman, Isaté. Qui met Isaté? Aman, ça veut dire paix. Paix, Isaté. Donc, succès. Quelle est ta question exactement? Pour le Bibo, ça, les tournées à Man et connaître succès. Succès, c'est parce que Batoubalanda qui bino ou bien parce qu'il y a la paix après votre tournée caravane. Voilà. Toi, le Bela Makambouetali. Que je réponde? Oui, vous pouvez répondre. Madame. La paix est là ou pas? C'est une question d'option. Mokonzi Mboka Alobi, il ne négociera pas avec le M23. Et nous sommes avec lui et nous le soutenons dans cette démarche. Tu as expliqué que Amani, ça veut dire paix. Oui. De tourner la vie à Kimia. C'était pour appeler à la donc, paix. Après, Kimia est athée. Donc, mais la paix s'est construite, madame. Il y a un alibi exacté. Pour l'instant, avec, après avec la tournée, il n'y a donc, pas eu la paix. Toi. Donc, il suffit que Kamere circule, allez, la paix revienne. C'est quoi, Aman et Zalagi? Aman et Zalagi. La Tunisie, c'est dans quel monde où il suffit qu'un homme politique fasse une tournée et la paix revienne? Non. Objectif, il y a tourné les Zalagi. Objectif, c'était de prêcher la paix. Zongi, est-ce que Zongi ou pas? Mais quand il a prêché la paix, les protagonistes ne veulent pas qu'il y ait la paix. Vous voulez qu'il fasse quoi? Donc, paix, Zongi, t'es. Qu'il se tue. Non, non, là, c'est pas mon ma demande. C'est ce que moi, donc, il n'y a pas eu la paix non, malgré madame, tournée de paix. Je, la voudrais, paix. Je voudrais que nous puissions nous comprendre. Puisque ma question à Bino Oyo est tellement tendancieuse et puis ils ont. Ils ont désorienté la population. Non, mais question ne désoriente pas. Question n'a pas les allées qui. Ok. Je vous laisse. Ok, répondez s'il vous donc, plaît. Donc, dans ta compréhension et dans ta question, peuple ya zola na biso na mutu na ye, il suffisait que Kamera qui a sali tourner na est ya zongi qui me zongi. Pendant que vous savez très bien que nous sommes en face de nous d'une agression, ya Rwanda, asana mboka na biso avec ses supplétifs du M23. Voyez bien go bien. Mokonzi mboka a sali décision kurubake. Bati pour te négocier na bango mingi mais ba négociation zo aboutir na infiltration armée na biso cette fois-ci ce qui to bunda ce qui to koufa mais ma belle na biso to protéger ngo OK wana to reçu to reçu wana to reçu ki sa ngo na top 7 yanga na expliquer kaka ke Amani veut dire paix Kamere, donc il est connu comme un homme de paix et il a l'expérience de la paix quand il propose un schéma. On ne s'est pas compris, monsieur le secrétaire général, voilà. Malgré tourner à paix, paix et zongité, c'est tout. On a l'obité qu'il fallait qu'il y ait réel et qu'il y ait zong. On a l'obité malgré, mais qu'il y ait zong karaté. Les zongs le karaté, pas par l'effet de Kabere, mais par l'effet du Rwanda. Voilà. Tout le bébé, quand vous êtes agression, mon camion Boka défend très bien la Nations Unies un mot sur son discours, notamment sur la situation sécuritaire, politique et sur la situation des élections. Non. Yali Bosso, d'abord, Nazo félicité le président de la République, puisque à un moment donné, il fallait quand même qu'on dise la vérité au monde. Tokoma Kiloko, la Soki, Rwanda, est-ce que tu sais qu'il y a des prédécesseurs de Fachi qui étaient incapables même de citer le Rwanda? Netinani. Ngana lobby le côté. Mais bisomo mbilomo boyebi. Non, parce qu'il a informé au Kabila Tangaye na devant le Parlement réuni au Congrès. Au moins, il était bien au tout si tout quand on a tangi. Kassio le biba prédécesseur, prédécesseur na yes et za Kabila ngana yes qui a tangaye. Aujourd'hui, au moins le Rwanda est mis à nu. Il semble le beau sauté. Différents rapports. Si faut qu'on colle la ratango yonso. Mais là wana Congo kolobaka Rwanda pour le même discours. La guerre, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle se termine. OK. Makambo bitumba eza makambo bana mikete, peza biloka ba civilité. Makambo bitumba eza makambo ba militaire. Et ce sont des décisions courageuses et très dures. Faut pas croire que c'est par plaisanterie que vous voyez le président de la République aujourd'hui décider que nous devons nous battre jusqu'à libérer notre terre. Est-ce qu'il faut, il faut annoncer qu'il faut annoncer ou bien surprendre l'ennemi sur, sur terrain? Mais qui vous a dit qu'il a annoncé? Il a annoncé, il a annoncé à l'Obi, notre armée est maintenant prête. Est-ce qu'il y a l'Oba qui date?
Mais prête maintenant. Mais c'est de la communication. Ok. C'est de la communication, c'est de la stratégie militaire. D'accord. Comment voulez-vous que lui puisse se présenter comme quelqu'un qui ne sait, qui ne peut pas affronter une situation? D'accord. Voilà. Donc, il faut qu'il y a une préparation. Cette guerre, nous devons l'amener et nous devons la remporter pour notre fierté. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord ou qui sont en connivence avec l'ennemi, c'est leur problème. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher, nous, de nous battre pour notre pays. Et pour ça, je suis d'accord avec le président de la République. Puisque ce cycle infernal, il faut à un moment donné Tosil Sayango. Okay. Ça n'est de trop. Mais... moi, je suis de l'Est. Je peux vous dire, ça fait 20 ans mais à la que veille, nous vivons les mêmes choses. À la veille, il y a eu carnage. L'armée est bombée. Il ne fallait pas Mokambia Mboka soulever. Parce qu'avant, l'armée était plus de 50 personnes. Madame, à un moment donné, vous arrivez à vous regarder dans la glace et être fier de vous quand vous dites des choses comme ça. Mais c'est une situation. Au Kanisesa et Loko, il y a Essengo. Mais à quoi qu'il peut condamner des éléments de notre armée. Qui se livre à des massacres. Biso il faut tout jubiler en gros. Condamner devant la tribune des Nations Unies. Est-ce que ça m'a Sony pour na mboka na biso mobimba. Habiter Congo to comment zo makambonyoso à la légère. Ça m'a kambwa Sony que des éléments de notre armée bien identifiés. Baké ba bomi batu. Devant des caméras. Ça m'a kambwa Sony. Même les États-Unis ont déjà connu ce genre de problèmes avec Blackwater au niveau de l'Afghanistan. Baboma Batu, en main nue comme ça. Vous voyez les Américains crier sur tous les toits. Que on a militaire nabiso Baboma Batu. Non. Ça, on les a makambwa Sony pona mboka mobimba. Ceux qui font de ça. Des conférences de presse dans des réseaux sociaux, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas le Congo dans leur cœur. Quand des éléments bien identifiés d'une armée nationale qui doit se livrent à des assassinats. Parce que garde républicaine... C'est la raison pour laquelle il y a un procès en flagrance contre les officiers militaires. Mais une autorité intellectuelle aussi devrait y répondre parce que... Absolument. Il n'y a rien à cacher. Vous êtes des journalistes. Il n'y a rien à cacher. La garde républicaine, les personnes, la garde républicaine dépend de qui? Toutes les personnes. Selon vous, selon la loi, la garde républicaine dépend de qui? Ce que vous dites, madame, vous savez que c'est très grave ce que vous êtes en train d'insinuer. N'a posé aux questions. C'est très grave. La garde républicaine ne dépendra de rien. Moi, je dis tout simplement que des éléments de notre armée. Et d'ailleurs, si pour peu que vous ayez un peu d'amour pour le Congo... vous ne pouvez pas vous éterniser sur ce genre de questions. Ce sont des questions. Mais c'est une question qui est devant la justice. Il faut aussitôt se poser ma question. C'est éminemment grave. Oui, en grave. Plus, nous parlons d'une question qui est déjà au niveau de la justice. Nous devons laisser la justice faire son travail en toute indépendance. D'accord. Arrêtons de nous éterniser sur des questions. Parlons des. Ok, élection. Nous avons dit que par rapport, il y a bilan, il y a un découvert qui s'inquiète pour que ça ait deuxième mandat. Mais nous, nous allons défendre le mandat du président. Eh bien, moi, dans mon bali, tant que j'ai une décision à quoi accompagner, il faut le faire avec amour. Pas en trompant. Moi, je ne suis pas du genre de politicien qui ment au peuple. Tant que j'ai écouté un abakinois, un koloba, voici Makambu Félix Assali. Mamaye Mouezala Kiawa. C'était impossible, Moutoua Kenéda Mamayemo, Tala Mamayemo Nengekomi. Mais on apprend que c'est un ancien projet, mais réalisé sous Félix Tshisekedi. Pardon? Et Zalaki, projet déjà conçu, mais réalisé sous Félix Tshisekedi. Zalaki, projet Anani? Projet conçu sous le régime passé. Il y a un ABC que. Zalaki, projet Anani? Conçu par le régime passé. Et Zalaki, 18 ans. Basala qui 18 ans. Bah il faut concevoir en gros que Herbal ni balon on a pouvoir. Répondre ngai puisque tu n'as pas répondu parce que yo ko ko tu n'as mis tout là té. Yo une fois annoncé ngai que ne suivez pas les gens de mauvaise foi
qui sont couverts de honte. Et voilà, pour même la population, il ne faut pas faire ça de Félix deuxième mandat. Et le quoi, maman, et Moïse, ma cambo Sony. Ok. Ce que Koutaina Kiro, ça y est, voilà, maman, et moi, et Zalaki, Awa, voici, ma cambo Félix a sali pour la maman, et moi. Ok. Campus y a investi à Kinshasa, boyi binenge zalaki tanane Félix a commission. Sikon zala. Ba veni à Kinshasa, boyi ba binenge zalaki tanane Félix a commission. Mabumu. Na niveau ya mabumu. Panier de la ménagère. Et loko tozo sala, ezali ko sala ba réforme sur le plan agriculture. Nzala ezali. Donc tozala na nzala en attendant ba réforme. To sala musala. OK. Qu'est-ce que tu sais qu'il y a des endroits dans ces pays bango baole la nzala te? Il y a des endroits dans ces pays. Bah, avion cassé. Likambo ya ba avion, puisqu'il faut tout le belango. Likambo ya ba avion, c'est une question qui sera résolue. Il ne faut pas nous enflammer pour rien. Puisque normalement, en réalité, Bamakambo, Toko Bandole Langote, parce que dans d'autres pays, les compagnies d'aviation n'appartiennent pas à l'État. Mais au moins, on l'État a la carte à Tana, compagnie Naemoko. Non. Il y a aviation, non. Ça peut arriver. Ce sont des histoires archaïques, madame. L'État est par essence un mauvais gestionnaire. Vous voyez, Bakangote. Tous les économistes et tout, Nabango, Bakouebisayo, l'État. Donc, et ça, honneur, les Congolais risquent de tomber en faillite. Nous voulons qu'il y ait des entrepreneurs congolais qui investissent dans l'aviation. Il faut les encourager. Il faut que les Congolais investissent. Et ça, honneur, mais ça se démontre vraiment de l'inopération de cette compagnie. Pourquoi nous voulons forcer que la compagnie ait existé? Elles ont démontré ma limite, Nango. 5 ans, 6 ans, 7 ans après, vous avez été incapable d'acheter un avion pendant que vous faites soi-disant des bénéfices. Et nous devons continuer encore à injecter de l'argent. Moi, je ne suis pas du genre à soutenir n'importe quoi. Les autres, comme on a peine de Kobili Kambal et Kokene Romona de Jean-Marc. D'abord, nous avons jugé condamnation à Jean-Marc Kabound et puis on peut vous voir ensemble, peut-être Kokene Routal à la prison. Il y a une polémique, Myriam. Non, Jean-Marc Kabound, moi, par honnêteté intellectuelle, nous avons milité ensemble. Ok. Tangu accord à Genève et Zaki signé, ngana kene kumona Jean-Marc Kabound na bi eloko il faut tout tel melango. Et donc l'histoire retiendra que nous avons milité ensemble pour l'accession de notre président Félix au pouvoir. Nous avons vraiment milité ensemble et avec beaucoup de courage. On dirait ça l'a repassé. Non, ça fait mal, toujours. Okay. Quand un frère, un ami, quelque chose lui arrive, si vous êtes insensible, ça veut dire que vous avez perdu Kibomotunayo. Moi, je ne peux pas me réjouir de ce qui lui arrive. Moi, je suis un homme sincère. Est-ce qu'on croit que justice, c'est ça le Mais c'est une décision de justice. Pourquoi tu veux que moi, je puisse la discuter? Okay. Parce que ça sera... On vous laisse alors la parole. Tangu Mutwaza, homme d'État, il faut respecter les institutions. Puisque lobby peut recommencer à Mokondi. Tant que vous avez une décision, vous critiquez. Moi, je respecte la décision de la justice. Puis, il y a Jean-Marc Kabound, aux Amouna Mobali. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut être fort. Et moi, je ne suis pas de ceux qui mettent un point final dans ma carrière à Batou. Pourquoi pas que notre aille à prison? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, le loto confirmé que condamnation à Vital Kamer et Félix Tshisekedi n'y étaient pour rien? Rien du tout. Même si aujourd'hui Vital Kamer et Azalaki condamnés, Bolingay Kakabo continue de soutenir Ndeko Félix Tshisekedi. Ça, c'est quel genre de question? Mais c'est clair. Bolobaki rien ou oui? Pas puisqu'il n'est pas condamné, pourquoi tu veux revenir encore une fois? Parce que les gens disent que soutien on est ça parce que vous avez obtenu l'acquittement. Pas du tout. Pas du tout. Hein. J'ai expliqué le pourquoi de notre soutien. Pourquoi il s'agit de la population bazar, peut-être changement à panier de la ménagère à l'arrivée à Décofitat Caméra? Non, je vais leur dire qu'ils doivent continuer à se battre pour que panier de la ménagère ait s'améliorer. C'est l'effort de tout le monde. Vital Kamer n'a pas de bâton magique. Nous devons travailler, encore et encore travailler. Nous devons aujourd'hui changer de paradigme. Madame, ne t'énerve pas. Quand on te dit la vérité.
Mboka pour échanger, c'est l'apport de tout le monde. L'État est en train de mettre en place les mécanismes. L'État, en fait, a tchakakakaba structure. Bah, on va appeler cet exemple. Tout le monde a appelé que l'élo, un ministre a changé standing de vitesse après avoir été nommé. Par exemple, il y a le bien de tous. Mais à tes populations, c'est ça l'effort de l'autre côté. Mais maman. Bango, amélioration en condition de vie de changer, papa. Oui, effort, ça, là. Nous, les politiciens, c'est parce que vous ne vivez pas à nos côtés pour voir combien nous souffrons. Ah bon? Plus que nous. Maman, chaque jour, je dois me battre pour nous scolariser, batou, pour nous sommes, bakissia, batou. Oui, en réalité, vous souffrez plus que nous. Pour intervenir dans des églises, dans je dois me battre base. Pour ouvrir les routes, je dois me battre pour donner de l'eau aux gens, je dois me battre, je dis bien chaque jour. Des fois, est-ce que vous souffrez plus que nous? Pour répondre à tes. Le degré de souffrance est apprécié par rapport à quoi? Puisque l'on dit souffrir plus que. Ça veut dire par rapport Maï, courant, colia. Mais les mêmes problèmes sont les mêmes problèmes auxquels nous tous sommes confrontés. Ok. Engagement d'abstention de la politique. Et ça pour c'est pour que nous puissions changer cette situation. Okay. En fait, Binoboka, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ont déjà convaincu certains esprits que politiciens, Moussala Naye et Zakaka, vous nous prenez pour des gens qui sont dans l'oisiveté, qui ne pensent à rien. Vous ne savez pas combien nous souffrons chaque jour en pensant qu'il y a un peuple qui nous regarde. Vous connaissez le prix de cette pression-là? Vous connaissez le prix d'une pression où tu dois être insulté tous les jours dans les réseaux sociaux? Mamayo bafing à côté? Oui, souffrance, oyobisoto vivaka. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, sur cette pression où au même moment, tu peux même avoir quelque chose à manger, mais tu n'as pas d'appétit. Parce qu'à un moment, tu t'es dit, ce peuple attend de moi quelque chose. Et même le système qui a été mis en place depuis l'époque de Mobutu, ce système, je l'ai toujours décrié. En réalité, vous prenez pour cible les mauvaises personnes. Les gens qui travaillent dans l'administration. DGI, DGRAD, DGDA, OCC, ces gens-là se tapent des immeubles. Ils se construisent des palaces. Ils achètent des maisons en Europe. Mais c'est en réalité les vrais détourneurs de l'argent de l'État. Et vous verrez, regardez les rapports de l'IGF. Vous verrez que les politiciens n'y sont pas nombreux. Les détourneurs de l'argent du contribuable congolais, ce sont ces gens-là qui passent leur temps à nous insulter. Les fonctionnaires de l'État, les gens qui sont des cadres dans l'administration, ils passent leur temps à nous insulter, nous les politiciens, pendant que les vrais tueurs de ce pays se recrutent dans ces structures-là. Je voudrais demander le contrôle citoyen de ne pas s'exercer simplement chez les politiciens. Parce que des fois, nous sommes accusés à tort. Je ne dis pas que tous les politiciens sont clean. Mais moi, en tout cas, ce qui me concerne, je fais partie de ceux qui fournissent l'effort d'être au-dessus de la mêlée et de ne pas se compromettre. Mais j'ai dit à notre population, ouvrons l'œil et le bon. Parfois, le mauvais citoyen, ce n'est pas la cible que nous avons prise pour aujourd'hui. D'accord. En ce qui concerne les problèmes que tu as évoqués au sein du parti, comme les mots de la fin, l'UNC se porte très bien. Okay. Et en ce qui me concerne, je suis au bureau, je suis parmi les rares secrétaires généraux, je suis au bureau tous les jours que Dieu a créé, y compris certains dimanches. D'accord. Pour parler de mon parti, pour travailler sur mon parti, je suis en contact avec les fédéraux, les sectionnaires, les interfédéraux, les secrétaires généraux adjoints, la direction politique. Nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions faire la différence dans notre objectif de 150 députés. Donc, comme il y a un magazine de Top 7, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a Billy Kambale, Azali Bongo, secrétaire général de l'UNC, président AU, Ataboy, mais Azali, président AI, il y a Lingomba politique, il y a UNC.
Pe Azali Lissoussou, président ya regroupement politique AAC, ya Vital Kamere, na yende tolobela ki makambo manso, mais matambi sa ki biso poso mabo bakokomela la biso na numéro na biso ezali 085 11 64 047 085 11 64 047. Kobenga vraiment te parce que kobenga osenga tango nyonso kozala na téléphone okomi message na yo soki tango ezali tokoka prendre yo. Toi, topé les sources na page Facebook Top 7 Top Congo FM. Pour ceux qui connaissent tout le côté de la politique, mon sous-sous qui m'a proposé un bon cabinet. Top 7, magazine politique et radio Top Congo FM. Où est-ce que la Kabasango ya Motuya ya Poso Mobimba et Longo na batteur politique et la société civile. Présenté par Myriam Bokechou, Mikolo Nyonso, ya samedi, Nangonga ya 20h15, et dimanche, Nangonga ya 18h. Pour n'a pas participer, Benga na 089 37 35 852. Top 7, politique et RDC, Nabozindo.